Salut, salut, c'est Monsieur Boss Minecraft Nat et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième vidéo tuto sur comment faire une ville sur Minecraft avec les vrais bâtiments principaux. Donc aujourd'hui on va s'intéresser sur la boucherie. Mais on va pas faire la base de la boucherie, on va faire la machine qui permet de tuer les monstres, enfin les monstres, les animaux, et de les faire cuire et en même temps après de les recevoir dans les entonnoirs qui sont là. Alors pour faire le début, j'ai un trou de mémoire. Alors j'ai fait la base qui est là. Donc c'est très simple. Vous commencez à prendre deux entonnoirs. Vous les mettez côte à côte. Vous prenez 5 blocs de dalles en pierre, voilà. Et vous en mettez 5. Et ensuite, vous remettez deux entonnoirs. Ensuite, à côté des entonnoirs. Vous mettez des blocs comme ça, parce qu'à l'intérieur, on va mettre de la lave. Et pour pas que la lave coule, on va mettre des blocs aux extrémités. Pour pas que la lave coule. Et donc, vous en mettez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, vous en mettez. Pour l'instant, vous en mettez du bloc qui a de l'entonnoir jusqu'au prochain. Quand c'est fait. Donc, ne prenez pas ça en compte, en fait. Donc, quand ce sera fait, vous aurez ça. Voilà, vous aurez ça. Les deux extrémités du bloc aux derniers entonnoirs jusqu'à au dernier là-bas. Maintenant, vous allez prendre un bloc d'herbe. Vous allez en mettre deux. Sauf que vous allez casser le premier que vous avez fait pour fermer la lave. Là, ça va servir. Mais pas que pour ça. Et vous mettez les deux autres aux extrémités de ce bloc. Et ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Non, la redstone, ce ne sera pas pour tout de suite. Ce sera pour la fin. Et voilà. Donc vous avez déjà la base. Donc les animaux, quand vous voulez récupérer là, un truc. Donc là, bon, j'ai fait une petite erreur, c'est que là, je l'ai fait en l'air, mais on peut aussi bien mettre les entonnoirs en l'air que à terre. Ensuite, quand la base est faite, vous pouvez commencer à mettre la lave. Donc moi, j'ai mis au moins 3 ou 4 petits seaux, mais comme j'ai tout mini items. Putain, mais ça me saoule. Je sais pas pourquoi ce clavier de merde, il commence à me saouler. Voilà. Putain, mais. Je suis désolé, mais ce clavier-là, de merde-là, il commence à me casser les couilles. C'est ce bug. C'est Camstasia qui fait tout bugger. Voilà. Donc, on va se retrouver en l'air. Vous prenez vos. J'en ai ma claque de ces outils de merde. Je crois qu'un jour, je vais mettre un coup de poing sur mon ordi. Et voilà, je vais le casser. Donc. Un conseil, il faut jamais que les entonnoirs au milieu, il y a un petit tuyau qui passe, sinon ça ne marche pas. Bon, eh ben juste au moment où je veux, ça marche. Donc voilà. Donc voilà. Donc après vous mettez votre lave. Pour commencer, vous en mettez aux extrémités. Puis après, vous en mettez un au milieu. Puis après, il faut que la lave soit complètement stable, comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez rajouter derrière le bloc d'herbe deux autres dalles. On peut casser ça. Voilà. Vous allez prendre les pistons. On va enlever le bloc d'herbe et on va prendre les pistons. Et les pistons, vous allez les mettre juste derrière le bloc d'herbe. Voilà. Et voilà. Ensuite, en dessous, vous mettrez le truc à mob, mais on va pas le mettre tout de suite parce que sinon les animaux vont spawn et ça va être le vrai bordel assuré. Donc là, on va commencer à mettre les vitres. Donc les vitres, c'est en deux, enfin en trois.
Moi, je vous conseille de d'en mettre deux de longueur, de hauteur, pardon. Vous en mettez sur tout. Alors, par contre, si vous faites cette création, mettez-vous en mode créatif, parce que quand vous faites des opérations comme ça, si vous tombez dans la lave et que même si vous avez une armure en diamant, vous allez vite souffrir. Donc vous mettez, je vais juste voir. Oui, c'est juste avant la truc. Bon, je suis content, ça bug pas trop. Parce que mes autres vidéos, ça a failli bugger un max. Oui. Donc ensuite, oui, voilà. Donc ensuite, aux extrémités, vous fermez ceci comme ça. Voilà. Donc là, j'ai pas fait parce que j'avais besoin de voir quelque chose. Voilà. À moins que... Ah non, attendez, je me suis trompé. En fait, en fait, pour fermer, vous mettez les blocs comme ça et puis après, vous faites un truc comme ça. Voilà. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Je mets ça, c'est pour pas que les monstres tombent, essayent de s'échapper parce que vous savez que les poules peuvent voler. Parce qu'elles ont des ailes, elles peuvent voler. Donc voilà. Donc on va fermer ça. De toute façon, il faut le fermer. Parce que s'il pleut, parce que si il pleut pendant que vous faites ceci, eh ben la lave va se transformer en obsidienne et ça va plus du tout être pareil. Voilà. Donc voilà. Quand vous avez fait ça, donc ça va ressembler au début à ça. Mais ça va vite changer. Vous allez mettre... attendez que je regarde quelque chose. Oui. Au-dessus, vous allez mettre, par exemple, moi, je vais mettre la truc des mobs. Et puis, on va fermer en mettant... les dalles en pierre. Voilà. Comme ça. Et après, vous pouvez faire pareil aussi. Moi, j'ai décidé de mettre des poules. Non, des vaches. Bah, tiens, des vaches. Voilà, des vaches. Et voilà. Voilà. Donc, la base est finie. Maintenant, on va s'intéresser plus à... Maintenant, le lâche. Bon, non, vous pouvez pas faire ça. Maintenant, non, on va plus s'intéresser à la redstone. Donc, pour la redstone, c'est très simple. Il vous faut ben, de la redstone, des répéteurs et juste une torche de redstone et des répéteurs. Enfin, on va aller plus vite. Voilà. Mon bloc a été pété là. Donc, c'est très simple. Vous commencez à mettre de la redstone. Voilà. Vous reliez ça. Vous faites à peu près ça. Et après, vous mettez le circuit. Donc vous en mettez deux comme ça. Et le circuit, on va le faire comme ça. Donc je vais juste voir le temps. 9 minutes, c'est parfait. On est à l'heure, c'est parfait. Donc le circuit, c'est comme ça. Il y a d'un côté du circuit où on va mettre 2, 3, 4 et 5. Vous les mettez à 3. Vous les mettez tous à 3.
Voilà. Vous mettez de la redstone ensuite. Comme ça. Et vous reprenez vos blocs. Et vous faites pareil. De l'autre côté. Voilà. Alors pour qu'ensuite ça marche, c'est très simple. Vous cassez. Vous mettez une torche. Vous cassez la torche et vous remettez vite la redstone pour que ça passe comme ça et que ça casse. Alors, je crois que je me suis trompé parce que ça prend un peu trop de temps. Ouais. Donc après, là, dans ce genre de situation, si vous voyez que... Donc là, ça va pousser les cochons et ça va les faire tomber dans le trou. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je vais faire une pause et je vais faire pareil de l'autre côté. Et après, je vous montrerai comment ça... Donc nous voilà. Alors je me suis trompé. C'est juste pour le truc de redstone. Donc le truc de redstone, vous voyez quand ma dernière, quand j'ai mis ça, ça prenait trop longtemps. Donc pour que ça aille plus vite, vous mettez une redstone là. Une redstone en haut et deux redstone sur le côté. Et après, vous mettez vos répéteurs. Vous en mettez 5 tout droit, 5 derrière. Au fond, vous mettez les deux redstone et vous mettez tout à 3. De l'autre côté, vous faites pareil. De l'autre côté, vous faites exactement pareil. Sur le côté, 2, comme ça. Bon, alors, c'est pas pareil que l'autre côté, mais ça a le même tempo. Et vous en mettez 5. Vous mettez à 3 et vous en remettez 2 là-bas. Voilà. Donc voilà, donc c'était ma machine. Alors j'ai une préférence pour cette machine-là parce elle est un peu plus réussie, c'est celle que j'ai construite. Mais j'ai une préférence aussi sur celle-là parce qu'elle est meilleure. Parce que l'autre, je l'avais fait en l'air, mais je trouve que comme ça, c'est meilleur. Alors après, si vous voulez voir vos cochons, vous faites un petit escalier là sur le côté et vous allez voir. Donc c'était ma machine. C'était le tutoriel boucherie, comment faire une vraie boucherie avec une vraie machine, tout automatisé. C'était Monsieur Boss Minecraft Nat. Pour la prochaine tuto, ce sera enfin la mairie. La mairie pour ma ville. Voilà. Donc ce tuto est fini. Le prochain, la mairie. C'était Monsieur Boss Minecraft Nat. Et je vous dis à plus.